Bonjour, alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est de faire un puzzle. Donc pour faire un puzzle, il faut déjà commencer par trouver les quatre coins et ensuite trier les bords. Donc j'ai mis tous les bords de côté et les autres pièces, je les ai mises dans une autre boîte à part parce qu'on ne va pas s'en occuper tout de suite. Donc par rapport au modèle, je vais déjà placer donc les quatre coins. Ça, ce sont mes bords. Voilà. Et ensuite, je vais chercher à placer les bords. Alors, j'avoue qu'à une main, c'est pas évident. On verra ce que donne la vidéo. Sinon, je vous mettrai des photos. Voilà. Les bords, hop, la poule, qui est d'ailleurs un coq. Voilà. L'arbre, on regarde bien les couleurs pour céder. Voilà, et il me manque un bord, donc j'ai mal trié. Ouh là là, tiens, il est là. Et une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à mettre les pièces du milieu. Donc mon puzzle est pour ainsi dire terminé. J'ai fait le plus dur. Et avec vos enfants, là, ce que vous pouvez faire aussi, qui est intéressant, comme c'est les animaux de la ferme, on peut nommer à chaque fois donc le veau, la vache, le taureau, les oies, les poules, enfin en fait tout ce qu'ils voient sur l'image, ça peut être sympa aussi. Alors. Ah bah bravo maîtresse, elle sait plus faire les puzzles. Je vais pas avoir mon brevet puzzle, ça craint quand même. Hop. Bon, j'avoue, j'ai pas pris encore mon café, c'est peut-être ça. Hop. Voilà. Et voilà, les pièces du milieu sont mises. Notre puzzle est terminé. Bonne journée à vous.